La station. Là, je n'ai pas envie d'avoir la pression. Putain, les gens vont mal. Oh, j'ai pas envie de. Je vais pas penser à Boulamou Stadium. J'ai peur. Ici, là. La route semble comme je ça. Sais, je connais, regarde, la route, tu vas comme ça. Tu vois, comme je viens de prendre la voiture, je peux prendre là-bas derrière. Je ne prends pas ici. Sortir du rond-point. Tu sais que les gens, il y a les motos, ils rondent n'importe comment. Du coup, il faut toujours faire attention. Continuez pendant 1,5 km. Les motos, là, tu sais, les gens ici n'ont pas de peur de voiture. Hein. Les gens ici, là, ils s'en foutent. Pas mes fesses, oh, pardon, Baba, là, ne filme pas mes fesses. Oh. Attends, mets comme ça là. Non, il fallait accrocher. Ça dérange. Maman, la chaleur, non, c'est quelque chose, est chaud à doigt là. Donc demain c'est l'ouverture du magasin à Boulamou Sadilopom. Je vous ai posté ça. Ah ben ça c'est dans la voiture quoi. Donc demain à 15h, à 14h même, hein, l'ouverture d'un magasin cosmétique à Lopom. J'ai posté ça sur ma page. Donc je vous invite tous à être là. Pour les personnes qui sont à Douala, à venir encourager l'entrepreneuriat. Donc l'ouverture c'est demain. Je serai avec ma partenaire Teint Parfait parce qu'elle est partenaire aussi à cette boutique là. Donc le soir quand j'aurai un peu de temps, parce que là je suis arrivée à Douala cette nuit et je rentre sur Paris demain. Donc du coup j'ai pas beaucoup de temps. J'ai que la journée d'aujourd'hui. Vous voyez un peu, c'est court. Donc demain, on se voit là-bas directement à l'ouverture de la boutique. Hein. À Lopom. Je vous ai posté ça sur ma page. Donc, si vous allez là-bas, allez voir directement quoi. Donc venez nombreux soutenir l'entrepreneuriat. J'ai quoi l'impression que la connexion n'est même pas bonne. Donc je vous laisse, je continue avec mon GPS. Je vais au chantier. On se dit tout à l'heure au chantier, on va voir ce que. Parce que je peux pas venir comme ça sans quand même aller faire un tour. Je disais que je ne peux pas venir quand même sans faire un tour à mon chantier quoi. Il faut toujours à la station quand je prends le carburant gasoil 10 000. Je prends le carburant là-bas. Ok. On est, je pense. Je ne sais pas si le truc est de quel côté. Je n'ai même pas regardé pour voir de quel côté le. Il sort. Tu veux regarder, hein? Regarde un peu voir si le là où on met le. Si on met là où on met le carburant, c'est de ce côté. Ah oh, ça veut dire que attends, je vais rentrer un peu. Oui. Ferme la portière d'abord. Il y a quelqu'un derrière moi. Oui, l'entrée, je suis de sortir. Il dit que la marche arrive. Oui. Attends. Je pense que la marche arrive. Non, maman, attends, ne me mets pas la pression. Elle t'a dit qu'attends, tu sais que je n'ai pas conduit depuis. C'est maintenant que je réapprends à conduire. Et puis ma voiture n'est pas comme ça. Donc du coup, quand je conduis ici,
faut qu'elle fasse attention, quoi. Bonjour. Gasoil 10 000, s'il vous plaît. Alors, où est-ce qu'on ouvre? Attendez, je... Oui, attendez, c'est pas ma voiture, donc du coup, je regarde un peu. C'est bon, c'est ouvert. Maman, quand tu prends une nouvelle voiture, n'est-ce pas? Dis-moi. Tu ne peux pas ouvrir, tu dois. Ouais, tout, c'est tout, moi. Oh, maman, ouvre ma bière si je bois, je fais chaud jusqu'à... Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Merci. La chaleur doit là, non. C'est pas l'ami de quelqu'un. Mayam Sechou d'amour. Bon, j'ai écouté ton message, tes doléances, Mayam Se d'amour. On va appeler à tous les lolomagnas, tous les abeilles, les sympathisants, les personnes qui aiment la, les gens qui aiment la paix, l'ambassadrice de paix que je suis. Et, le truc là, il y a une portière qui n'est pas bien fermée. C'est ma ceinture. Ta ceinture. Non, je veux que tu sortes de la voiture, tu vois. Mets ta ceinture, voir, ça sonne. C'est bon. Non, parce que les portiers, les deux sont ouverts. C'est bizarre, ça me stresse. Dans 200 mètres, tournez à droite. 200 mètres. Je vous lave le GPS. Dans Mayam, ça chérie, tata Lolo, c'est comment? Tu vas bien? Ouais, tu sais qu'on est au pays, comme ça, on n'écoute pas les lives parce qu'il n'y a pas. Tournez à droite. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas. Ça, c'est un panda soya. Oui, je connais ici. Tournez à droite. Mais panda soya, non. Mais panda tendon. Oui, ici c'est tendon. Ici qu'on va en avion, le soya. Continuez pendant 1 km. Moi, au Cameroun, je roule avec le GPS parce que. Voilà, je roule avec Google Maps. Je mets ça et puis ça m'amène jusqu'à Bonport. Toutes mes destinations, ça m'amène. Donc, on est au pays, comme je vous disais, on n'a pas le temps d'écouter les lives. Enfin, s'il n'y a pas le temps, on est pressé, on a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est pas évident. Hein. Je vais tout droit, non. Mon amour, ça dit c'est tout droit. Tu vois? Ouais, puis tu montes, maman. Ici. Bon, il fait le tour. Voilà, tu montes. Encore ça. Comment on prend? Ici? Comme ça. Mais j'ai pas entendu le tout parler. Regarde la moto, hein. Mais, non. Les bains, c'est qui? Monsieur le chef de l'État. J'espère que 2025, les motos aussi là. Les bains, c'est qui ici? Je ne refuse pas. Eux, ils se débrouillent. Mais, quand même. Oh. Ah, voilà les pieds que je veux là. Ça, c'est pour le. Donc, comme je vous disais, quand on est au Cameroun, comme ça, on n'a pas le temps. J'ai pas le temps. Ouh. Maman, les trous. Oui, le pays ici doit changer, maman. Il y a trop les trous. Ça, non, je n'ai jamais vu un pays. Mais la poubelle, les trous, non. Il y en a marre. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Chaque peuple camerounais, vous avez votre destin en main. Votre destin entre vos mains. Moi-même. Je vais faire la procuration. Je vais voter au nom de ma mère. Allez vous inscrire sur la liste électorale pour voter. Hein? Les gens d'Elé Kamla, apparemment vous fermez à 14h. Vous deviez rester ouvert jusqu'à 22h pour les gens qui travaillent. Ne commencez pas votre système là. Vous ouvrez à 11h, vous fermez à 12h. Et ceux qui travaillent, les Camerounais ont la rage. Les Camerounais veulent voter.
Ouvrez les bureaux électoraux, on vote. On s'inscrit. On a la rage. Vous comprenez? C'est quoi ça? Les trous partout. Il faut voir quand je rentre, comment j'ai mal à la poitrine. J'ai mal à la poitrine. Pourquoi? Hein? Les gens sont avec leurs grosses, grosses voitures. Vous roulez toujours sur les mêmes routes que nous. Hein? Quand même, arrêtons un peu. Ne soyez pas quand même égoïste comme ça dans ce pays. Pensez aux gens qui souffrent. Hein? Le téléphone, tiens, le téléphone veut parler. Hein? Hein? Pensez aux gens dans ce pays. Allez voter. Vos décès sont entre vos mains. Vous sortez, vous partez au Canada, vous sortez États-Unis, France, tout le monde est en train de partir du pays. Dans 300 mètres. C'est ça qui va faire quelque chose. Hein? Sortez, allez voter. Vous faites quoi chez vous? Hein? Le prochain président du Cameroun, vous fermez les bars. Monsieur le président, monsieur le prochain président du Cameroun 2025, s'il vous plaît, fermez-nous tous ces bars. Parce que ça les embrutit. Hein? Tout ce qu'ils savent faire, c'est de boire. De boire. Hein? À 6 heures, ils boivent déjà. Vous croyez qu'une... m'appeler, c'est quoi? Qui m'appelle, c'est quoi? Arrêtez de m'appeler, c'est quoi? Oh. Tournez à droite. Tournez à droite, c'est devant. C'est devant. Merde. C'est quoi? Prenez vos dessins en main. Arrêtez de pleurer que vous souffrez. Vous souffrez. Allez voter. Hein? L'autre jour, je prends un taxi, quelqu'un me dit carrément, oui, mais on va voter quoi? Ça va rien changer, c'est toujours la même chose. Non, non! Mon frère, quand tu peux voter, tu ne regrettes pas. Parce que si la personne que tu as choisie ne passe pas, tu vas regretter et tu vas commencer à dire que si je savais, je partais voter. Hein? Vous êtes là, vous ne votez pas. Vous ne voulez pas vous voter. Vous dites toujours que non, ça va changer quoi? Non, ça va changer quelque chose. Arrêtez de dire que ça va changer quoi? Vous croyez que la vie, c'est se lever le matin à 6 heures, s'asseoir dans les bars? Et puis vous plaignez? On ferme les bars dans ce pays, on ferme les bars! Le projet du président du Cameroun, vous nous fermez les bars et les auberges. Non, les auberges, encore, laissez-moi un peu passer. Pour les auberges, ça va. Monsieur le futur président, pour les auberges, pardon, ne fermez pas les hôtels. Monsieur le président, ne fermez pas les hôtels, mais pour les bars, fermez les salles bars qui font les bruits là. Fermez les bars et les églises, c'est trop bruit. Il fait chaud. Pour les auberges et les hôtels, non, ça va, il faut laisser pour la sieste. Monsieur le président, pour l'autre là, non. Pour les auberges, non, monsieur le président, laissez les auberges. Mais les bars, on ferme les bars. N'importe quoi. Tu entres dans un bar, ils n'ont jamais le goût. Hein. Tu arrives dans un bar, on peut encore acheter le vin dans un autre bar. C'est les bars de quoi? Fermez-nous ces bars, on ne veut plus de ça dans ce pays. 2025, non? 2025, non? C'est l'année de ton année. Reste là, ton dessin entre les mains. Ne partez pas voter, hein? Vous êtes là, vous pleurez. Mais vous asseyez dans les bars. Vous asseyez dans les bars, vous buvez les 15 bières. Mais j'ai peur de ça parler. Allez voter. Hein? C'est la bière de quoi que vous buvez tous les jours. Vous asseyez dans les bars, vous buvez les bières, vous buvez du matin au soir. Allez voter. Mais de les poubelles partout. Vraiment, je n'ai jamais vu une capitale aussi sale. Mais les voiries, là, je ne sais pas, il n'y a pas la société qui enlève les poubelles. Je ne bois jamais, hein, c'est parce qu'il fait chaud. C'est, je ne bois pas, hein, je ne suis pas, ne me citez pas parmi ceux qui boivent, là, je ne suis pas là-bas. C'est moi qui demande de fermer les bars. C'est parce que j'ai soif, c'est tout. Hein? Les gens sont là dans les maisons, ils ont les 15 véhicules. Mais il n'y a pas, vous ne pouvez pas. Sortez, allez voter. Hein? Allez voter. Votre destin est entre vos mains. Peuple camerounais. Peuple camerounais. Au futur président du Cameroun, fermez les bars. Mais laissez les auberges.
et les hôtels, c'est pour se reposer. Oui. Mais pour les bars, on ferme tout. Les bars avec les 3 bouteilles de bière là. Il faut fermer tous les petits bars là. Un pays que c'est la seule chose qui marche, c'est la boisson, mon frère. Donc vous voulez dire que les Camerounais sont des alcooliques. Ben non, je ne me reconnais pas dedans. Vous ne pouvez pas donc dire que les Camerounais sont que c'est un peuple alcoolique. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas dire que le sport qu'on s'est fait, c'est de boire le vin. Non. Pourquoi? On s'est fait autre chose. Le futur président du Cameroun, je demande la fermeture des bars à 3 bouteilles. Les sales bars qui sont partout, qui mettent le bruit partout. Les bars sans toilettes là. On ferme d'abord toutes les bêtises là, dis donc. Parce que c'est ça qui les endort. Arrêtez de vous... Arrêtez. Les bars, ça les endort. Ils dorment. Pour les auberges et les hôtels, on laisse. Parce que c'est pour se reposer. Tout est à refaire. Mais je dis que... Non. Les Camerounais ne seront pas jaloux des Ivoiriens. Ça ne sert à rien. Ne seront pas jaloux. Vous avez vu une capitale aussi sale avec les... Mince. Mais il y a la poubelle partout, hein. Moi, je me demande que, est-ce que les personnalités la passent? Ou bien, je veux savoir, en fait, ils ont leur chemin où ils passent, ou bien c'est tous sur les mêmes routes que tout le monde, là. Oui. Et les camions, voyez le camion, non? Et les camions qui roulent la journée. Les camions roulent en ville. Est-ce qu'un camion doit rouler en ville, en journée? Ben non. Ce n'est pas possible. Et c'est lui qui force le passage. Hein? Non, il faut vraiment... Vraiment, le pays, c'est... Hein? Nous, on adore le Cameroun. On aime ce pays. Mais il n'y a que certaines personnes... Parce que je me dis qu'ils profitent même de quoi? Si un ministre monte dans sa voiture, il passe la mouche. Il est en train de passer. La mouche passe à travers, entre dans sa bouche. Vous croyez qu'il va aussi regretter? Hein? Même sur le camion. Oui, je mets derrière le camion, Michel, parce qu'il y a un autre camion qui... Hein? On est à toi. Laisse ma montre comme ça, chérie. Merci, mon cœur. Est-ce que la... Prendre la direction nord-est. Si la mouche entre dans la bouche d'un ministre, la saleté... C'est-à-dire que... Non, je vous dis, il y a les poubelles à Yaoundé. Je dis que... Il y a les poubelles, je dis que... Les... Non, j'ai seulement une question. Ralentissement de la circulation dans 50 mètres. Prévoyez un retard de 9 minutes. Vous êtes toujours sur le meilleur itinéraire. Donc du coup, je veux savoir, est-ce que les ministres la passent? Je ne sais pas, ils ont une autoroute ou bien c'est la... Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie. 600 mètres, rond-point, deuxième sortie, là-bas. Okay. Hein? Parce que j'ai comme l'impression que les ministres, là, les personnalités de ce pays ne... Eux, ils ne passent pas sur le même chemin que les gens qui n'ont rien. C'est pas. Est-ce qu'il y a les routes pour eux et les routes pour les personnes qui n'ont rien? Je veux savoir. Parce que c'est trop. Mais attendez. Mais la route, mais ça t'enlève l'enfant dans le ventre. Ça te fait avorter. C'est-à-dire que j'ai de la peine pour les femmes enceintes. Pardon. J'ai de la peine pour les femmes enceintes, je vous assure. Je dis que les nids de poulains, on appelle ça les trous. Moi, je ne sais pas, quand vous êtes là-bas, 2025, là, c'est une année décisive. Hein. On ne dit pas que, je dis qu'elle ne dit pas que 2025, là. Prenez votre destin en main, hein. Allez voter. Ce n'est pas en restant dans les bars et taper les commentaires. Ce n'est pas ça qui change l'homme. Hé, abonnez-vous ça d'ici, non. Ah, ça, il y a les bouchons, hein. Et quand il y a les bouchons comme ça, c'est encore compliqué pour rouler. Surtout la voiture n'est pas automatique. C'est compliqué encore. Allez voter, c'est tout ce qu'elle peut vous dire. Bonjour maman Lily de la Tour. Bonjour à tout le monde. Hein? Vraiment, allons voter. Et bloque-moi la personne, c'est Inès Issou. Ne me prononce plus certains noms ici. Au revoir. Je sais que tu m'apprécies bien, mais il y a les noms que je ne veux plus. Au revoir, maman, je t'adore. Tu es même quelqu'un que je connais dans la vie, mais je t'ai bloqué. Ne viens plus prononcer cette... Mais je ne rigole même pas avec ça. Ne me prononce plus, va m'insulter là-bas si tu veux. Ne viens plus, ne me mettez plus les noms des gens sur mon... Je ne veux plus avoir affaire à cette personne. Je dis que même pourri, je ne veux pas. Voilà, je t'ai bloqué. Donc, tu as malchance, j'ai lu.
Donc tu pars là-bas, tu m'insultes, tu fais ce que je veux. Je te connais dans la vie réelle, je connais les gens qui te connaissent. Inès et Sou. On a quitté derrière le camion, on ne veut pas. Il n'est même pas resté derrière le camion, mon frère. Il va être devant le camion et non derrière. Il y a les personnes que j'ai dit que ma soirée du 2 novembre, même en payant l'argent, ils n'entreront pas. J'ai décidé comme ça. Oui, c'est mon investissement. Si je paye, j'ai perdu. Non. Il y a quoi? La vie, c'est comme ça. Oui. Il y a les personnes que même en payant, ils n'entreront pas. J'ai dit ça. C'est mon événement, le 2 novembre. Et merci à tous ceux qui ont déjà pris leur table. Vous croyez qu'on s'amuse avec n'importe quoi comme ça? Les gens restent... Ils pensent qu'ils ont le monopole de s'asseoir et de vous insulter. Attendez, j'ai la connexion. On va jouer à ça. Ça va pas, vous êtes malade ou quoi? Quoi que quoi? Les gens restent parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Mais chacun sa chance dans la vie, je suis désolée. Mais c'est pas de ma faute si c'est ont raté leur vie. Ça me regarde en quoi? Si certaines personnes sont aigries, c'est pas mon problème. L'aigreur, ça se voit. Je suis une fille qui est bien. J'ai un cœur pur. Je suis bien dans ma tête. Je suis bien dans ma peau. Je ne dois rien à personne. Mais si certaines personnes ont raté leur vie, moi je suis en train d'aller à mon chantier, je suis désolée. C'est quoi votre problème? Vous allez vous permettre de parler aux gens que vous n'atteignez même pas pour me suer la chaussure. Parce qu'on se mélange. Toujours les mélanges là, de Facebook. Parce qu'on se mélange. Ah, wonderful. C'est pas parce que je suis humble, hein. Je suis très humble. Et c'est ça qui fait ma force. Je n'ai pas besoin de faire les gnagnagnés. On parle maintenant, vous voyez quand j'écris. Ouais, le camion, c'est... Mais laisse-moi passer, non, c'est quoi? Oh! Mais laisse-moi passer, non, grand. Laisse-moi passer. Toi, tu as d'ailleurs le camion qui peut donner même le tétanos à quelqu'un. C'est quoi? Laisse-moi passer avec ton camion le tétanos, là. Regarde-moi quelqu'un. Vous croyez que vous avez la gueule? On est tous les Camerounais, non? On a la gueule, non? Son camion de sable avec le tétanos. Regarde. Ne me gratte pas la voiture. Pardon. C'est même qui ça, non? Il ne fait que forcer. Il force quoi? Je lui dis, laisse-moi passer. Il ne veut pas. Vous croyez qu'un camion comme ça doit rouler en journée? Moi, je suis un rebeu, hein. Je vais vous amuser. Moi, je suis un rebeu, hein. Tu vois que quoi? Je suis une rebeu, moi. Je suis une roubaisienne, hein. Je suis une wesh, hein. Si on est au Cameroun, je suis une roubaisienne, hein. De quoi? Non, je suis pas énervée. F et Flore. Non, je suis pas énervée. Je ne veux plus qu'on me prononce certaines personnes sur mon live. Je ne veux plus. Même pour rire, je ne ris pas. Et je vais me lever, le clash arrive. Vous croyez que quand quelqu'un reste tranquille, c'est pourquoi? Vous croyez que moi, quand je reste calme, j'ai peur de qui? Hein? Moi, si l'on a fait mon direct, une vient, elle commence à me prononcer les sales noms sur mon direct. C'est quoi? Je te dois quelque chose. C'est toi qui m'envoies au Cameroun. Hein? Je te dois quoi? Va faire la pucée de ces gens là-bas. Ce sont mes amis. Malchance. Vous voulez m'attribuer tous les amis de la terre? Il y a des personnes qui ne seront jamais mes amis. Ça, être sur Facebook, ça veut dire que vous êtes amis. Vous connaissez ce qu'on appelle l'amitié? Malchance. Vous croyez que moi-même, je tape le ne pas. Même si c'est long coup, je prends ça propre. Je me puge même avec. Vous croyez que quand vous êtes seul à prendre le long coup, à prendre le ne pas, tout ça, tu vas me gâter mon ambiance et tout. Tu es malade, toi? Merde, c'est même qui ça, non? Tu restes toi tranquille. Regarde ouais, le camion, c'est là. Il ne veut pas, regarde. Mais messieurs. Merde, c'est pas possible. Continue à rouler, mais tu vas suivre la voiture. Non, le problème c'est que je ne veux pas que le camion me garde la voiture aussi. Regarde. Comment il fait? Attends, je prends la ligne, je me place ici. Franchement, c'est méchant ça. Hein? Méchant. Et là, comment il fait? Il ne faut que me... Attends, je vais mettre là. Alors, conduis dans les bouchons. Si tu as mal à la main, tu me donnes, je pose. Je vais poser.
Les gens, le truc ne tient pas. Je live, mais j'aimerais vraiment que finisse ma connexion. Je vous laisse un bisou, bonne journée. Bye.